France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Une photo insoutenable, révoltante, en forme d'électrochoc à la une d'une bonne partie de la presse mondiale. On vous en parlait dans le journal de 7h30, ce cliché d'un petit garçon de 3 ans, un Kurde de Kobané, mort, noyé sur une plage de Bodrum en Turquie. Va-t-il enfin réveiller les consciences? Une photo donc, et une chanson. C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? C'était Francesca Solville, Frontières.